Je m'appelle Giovanna, j'ai 54 ans, je vis à Barcelone, je suis séropositive depuis les années 90, donc bientôt 20 ans. J'ai d'abord commencé par écrire un journal. Ce fut le début de la reconstruction d'une vie, de ma vie. Je l'examine ici, assise face au jardin, calme, frais, tranquille, comme le sont aussi pour moi ces dernières années. Mais comme touchée par une vague glacée, je dois raconter sans frissonner ce qui m'a conduite à toucher le fond et à devoir tout reconstruire, absolument tout. J'ai eu une adolescence vraiment bohème, belle, avec un père artiste peintre. Et je rêvais d'être petit rat de l'opéra, actrice de théâtre. Mais bon, les études m'ont poussée ailleurs et la vie aussi. D'abord, je tombe très amoureuse à l'âge de 17 ans et demi d'un homme plus âgé, mais accepté par ma famille. Le grand amour. Et cet homme me quitte d'une façon très brutale, du jour au lendemain. En me faisant une blessure dans ma dignité de femme. Ça me brise. J'ai eu beaucoup de mal à surmonter qu'on me fasse du mal comme ça. Malheureusement, un soir, chez des amis, on me propose de sniffer une ligne d'héroïne. Et quand on sniffe à l'âge de 20 ans une ligne d'héroïne énorme, eh bien, on s'accroche. C'est ce qu'il faut savoir. Je ne me suis pas droguée parce que j'ai eu une enfance minable ou misérable. Non, non, non. Je me suis droguée parce qu'à l'âge de 20 ans, je me suis retrouvée devant l'héroïne. Et on m'a dit, tu veux? Et j'ai dit, bah, je sais pas. Et on m'a dit ça trois fois. À la fin, j'ai dit oui. Et je m'aperçois qu'à Paris, il n'y a pas d'aide. Et j'en profite pour partir en Espagne, où sont à ce moment-là mes parents en train de passer les vacances, avec une seule idée dans la tête, c'est de décrocher. Je m'en sors et je reste vivre à Barcelone sans penser à aucun moment qu'un jour, l'héroïne reviendra. Mais il y a quelque chose en moi qui continue à être fragile. Et voilà que rentre dans ma vie un homme alcoolique et maltraiteur. Je me suis retrouvée brisée, sans comprendre pourquoi une fille comme moi s'était fait tabasser, maltraiter, insulter presque tous les jours pendant un an. Et donc, quartier gothique de Barcelone, un Italien me dit, t'as pas envie de cocaïne? Et c'est là que je me retrouve pour la première fois de ma vie dans un terrain vague plein de junkies. Ma dignité de femme est tellement par terre que je dis oui et je mets le bras. Et on me shoote à la cocaïne et à l'héroïne, au speedball donc, et je fais ma première overdose. Ce terrain vague, il y avait une moquette de seringue par terre. Et je me souviendrai toute ma vie, il y a une seringue qui me traverse la paume de ma main. Et au moment où ça s'est passé, je me suis dit merde, tu as chopé le sida. Ma mère et moi, nous sommes allés ensemble chercher les résultats. J'ai ouvert l'enveloppe et je me rappelle que ma mère est restée sidérée parce que mon regard était glacé, indifférent. Et quand mon père l'a su, son amour a pris le dessus. Il savait que je luttais, même si je me laissais abattre. Et quand j'ai appris que j'avais le sida et les ravages que ça faisait, j'ai pensé que c'était se mettre à genoux devant la vie et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et j'ai passé plus de 5 ans dans ce monde, dans cette boue, à me shooter de 10 à 15 fois par jour, avec une vie terrible, à se lever très tôt le matin, aller voler, revendre, aller shooter, s'enlever le manque. Souvent finir au commissariat, y passer 72 heures, aller au palais de justice, se retrouver en prison, etc. J'arrive à un moment donné de ma vie à vivre presque comme une SDF. La cinquième fois que je suis allée en prison, le service médical me voyant dans l'état où j'étais, parce que c'est vrai que je pesais 35 kilos et que ma charge virale était très haute, m'a dit, tu sais, si tu continues comme ça, il te reste 10 jours de vie. Alors, un jour, j'ai pris la décision de lever la tête, de décrocher le téléphone et de demander de l'aide, même à genoux. Je voulais vraiment laisser la drogue, j'y tenais parce que je ne voulais pas mourir. Et c'est en rentrant dans une clinique, en faisant beaucoup de thérapie, ils m'ont remis d'aplomb. Et c'est comme ça que
ma renaissance a recommencé. J'ai eu la chance d'avoir une mère et un père qui ont toujours cru que j'étais capable de m'en sortir. Et je les voyais souffrir énormément. Mais en fait, celle qui souffrait, c'était moi. Et c'est ça qu'ils essayaient de me faire comprendre. Le problème, c'est que quand on est enfoncé dans la drogue à ce point-là, c'est difficile de relever la tête. Parce que pour moi, la drogue, ça a été de l'esclavage. Pur et dur. Quand je vois des photos de moi et que je me vois avec 35 kilos et que je me vois marquée, j'ai souvent les yeux qui se remplissent de larmes. Parce que parfois aussi je me dis merde, j'ai quand même raté pas mal d'années de ma vie. J'ai passé tellement d'années à ne pas me regarder dans le miroir. Pourquoi ? Parce que le reflet du miroir ne me plaisait pas. Mon père m'a fait un portrait à l'âge de 12-13 ans. C'est un nu de jeune fille. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai dans les mains la fleur de l'héroïne. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à ma mère, « Papa n'a jamais rien dit de ce tableau après. » Et si, il avait dit, « Pourquoi je l'ai peint si jeune avec le pavot ?» L'unique chance que j'ai eue, c'est que mon père est parti en sachant que moi, j'allais bien. Ma mère est le poumon de ma vie parce qu'elle n'a jamais, jamais baissé les bras. Il y a eu des moments où elle a cru qu'elle allait baisser les bras, mais elle n'a pas voulu. Elle a toujours cru que j'en étais capable. Évidemment que quand j'ai appris que j'avais le sida, nous ne l'avons pas crié aux quatre vents. Évidemment. Mais jamais mon père, ma mère ou mon frère m'ont dit « ne le dis pas à voix haute ». Mon frère a toujours été là et a toujours su ce qu'il m'arrivait. Il est aussi venu me voir quand j'étais vraiment au fond du gouffre. Pour me dire « on est là », quoi. Et ce « on est là », parfois, est tellement important. Vous avez quelle relation avec votre sœur ? Une relation d'une très grande tendresse. On se ressemble, on a des goûts communs. Et en même temps, elle a eu une vie très, très, très difficile. Parce que quand elle était très jeune, elle est tombée dans la drogue. Toutes les drogues. Elle a pris le sida, le VIH. Hein. Elle vit avec ça. Et en même temps, elle est formidable. Elle se bat contre la drogue. Pour la prévention du sida. C'est une sacrée personnalité. Et donc, je l'aime comme une sœur. Oui, ça m'a touchée parce que je ne l'avais jamais entendu parler publiquement, non, à la télé, sur moi. Jamais. Être Premier ministre, c'est pas rien. Et jamais, jamais, jamais mon frère ne m'a dit, ne le dis pas, je pourrais avoir des problèmes. Et mon frère, la première chose qu'il m'a dit quand il a lu le manuscrit de mon livre, c'est « publie-le dès que tu pourras ». C'est ton histoire, c'est ta vie, et il faut que tu la racontes, parce que ça peut aider beaucoup de gens, et ça peut faire du bien à beaucoup de familles. Je vis seule à Barcelone, j'ai ma vie, j'ai mes amis, je suis bien entourée, mais j'ai passé 3 ans de solitude sentimentale, et on s'y habitue. Et puis il arrive un moment où on s'y habitue trop aussi, à être seule, et à se dire « non, je ne veux pas ouvrir de porte sur l'amour parce que j'ai pas envie d'être rejetée ». Je me suis retrouvée plusieurs fois, quand je l'ai dit, voilà, j'ai le VIH, me retrouver toute seule à boire le café, le mec il était parti, il ne l'avait même pas payé. Ces choses-là, je les oublierai pas facilement, je veux dire, après, il faut passer le balai. Et avoir le VIH, c'est pas seulement avoir une maladie, c'est avoir un truc dans le corps qu'on peut maîtriser, avec lequel on peut vivre aujourd'hui grâce aux médicaments. Pour moi, c'est pas difficile, les gestes sont si simples dans la vie. On va prendre une boîte, on l'ouvre comme ça tous les jours, voilà, on fait comme ça, bam, on avale. Mais tous les jours, quand je prends mes médicaments, je me souviens de qui je suis et pourquoi je les prends. Quand finalement mon virus a été indétectable, ça a été le plus grand jour de ma vie. Et puis aussi, quand j'ai surmonté l'hépatite C, vivre avec un virus de moins, ça se vit beaucoup mieux. Mais vivre avec le VIH, c'est vivre avec des médicaments qui sont des bombes énormes. Voilà. Voilà. Je savais que j'avais un peu d'ostéoporose, mais je ne savais pas à quel point j'avais une ostéoporose galopante, surtout au niveau des jambes, déjà des pieds, etc. On voit les os sur les radiographies, mais de l'intérieur, ils sont presque vides. Donc c'est comme du verre.
Et en ce moment, je marche avec une canne parce que un taxi a freiné devant moi. Moi, je roule en moto. Je suis tombée de la moto, je me suis cassé la jambe. Et j'en ai pour 3 mois, peut-être 4. Et c'est long à cause de ça. Parce que les traitements du VIH t'ont défait les os. Hola. Bien et toi, Vanessa? Bien. A ver cómo caminas. Alors j'ai la chance d'avoir une voisine, Vanessa, qui est kiné et elle m'aide un peu quoi. Caminant. Bueno. Vamos a mirar. ¿Duele? No. Vale, contra mi mano. Fuerte, 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 más, 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 más. Descansa. Muy bien. Bueno, la movilidad está bien. A ti, por ejemplo, saber que tienes una vecina seropositiva, ¿te sorprende? A mí lo que me sorprende es la valentía con la que lo dices y con tu apellido. Lo que tienes que hacer es precisamente eso, decirlo y defender y demostrar que es una hay una vida después de esto y que se puede seguir viviendo y es una lucha que creo que sirve de ejemplo para mucha gente. ¿Sabes una cosa? Estoy encantada de tenerte como vecina. ¿Ves? Yo también. Mais il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui a tué tellement de gens, qui est une maladie qui encore tue tous les jours aujourd'hui. Mais il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour rester accroché à la vie et pour avoir de l'espoir. Parce que la vie est faite d'espoir. Et moi, ça m'a appris à être plus forte. Ça m'a appris à prendre soin de moi, de mon corps, de mon esprit. Pas facile, mais moi, ça m'a appris à m'aimer. Maintenant, mes yeux regardent vers l'extérieur et mes sentiments sont ceux de l'acceptation de la vie vécue. Et ce soleil, ces odeurs et les couleurs sont aussi le reflet de la maturité que je me dispose à vivre enfin.